Eh bien, salut à tous, c'est Nexos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War Thunder. Bah, suivant vos commentaires sur la dernière vidéo en Léopard 2 à 5, eh bien, le char qui a ressorti le plus de demandes, c'est Sa Majesté, la légende, El Tigor, himself, le Tigre H1. J'ai envie de partir, on va faire qu'avec le tigre H1, je vais pas prendre le tigre E. Parce que... 5.7 Parce qu'il est en 5.7 et que le 5.3 ça me va bien, et ça me va bien de tomber que contre du 6.3 si je me fais up tier. Puis, en plus, bonus, vous avez ce magnifique tigre H1. Mais au même battle rating, je possède également ce magnifique tigre. Voilà, qui était disponible pendant un event, alors je ne sais plus il y a combien de temps. Mais oui, il y a ce magnifique tigre H1 Premium avec un camouflage de tigre. Si ça vous plaît pas, on peut juste l'enlever, hein, avoir un tigre H1 standard. Ou alors juste lui mettre le camouflage. Mais non, moi j'aime me sentir spécial et avoir un joli camouflage de tigre. Sur ce véhicule d'Event, l'autre véhicule c'était le P63 à 5 ou à 10 King Cobra avec un skin de Cobra dessus. Très sympathique, très sympathique. Bon, je vais pas vous faire une présentation hein, du tigre, je pense que tout le monde connaît. Assez bon char lourd, fait face quand même à pas mal de choses qui n'étaient pas censées combattre IRL. Mais n'empêche que ça reste un très très bon tank et très facile à tuer. Très facile à tuer, hein, si pas du tout anglais. On va essayer de faire de notre mieux, hein, un bon canon, hein, le 88 mm, avec un très très bon obus, hein, le Panzerkranat 39, parce que je sais pas dire 39 en allemand. Mais voilà! On va partir avec cette petite line-up, avec un petit ME410 B6R3, histoire d'amener un petit peu de cancer avec les 30 mm, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, c'est parti! Ah, re! On est parti sur une map que j'affectionne tout particulièrement, comme beaucoup de joueurs, Sinai, qui est selon moi une des meilleures maps sur ce jeu. La petite Sinai, attention, je parle bien de cette version-là de Sinai, pas la grande Sinai. La grande Sinai est intéressante, mais sur du haut tiers. Moi, quand je me tape de la grande Sinai, c'est avec du 6.3, tout ça, ça me fait un peu chier, hein. C'est plus de temps à traverser la map, à aller au combat, plutôt que de te battre, finalement. Et ça m'enlève un peu le fun. On est low tier, hein. On est contre du 6.3, donc en face de nous, on va avoir du Pershing. Du T25, qu'est-ce qu'on peut avoir en anglais? En anglais, ça va être bah. Qu'est-ce qu'on a en 6.3 chez les anglais? Pas grand-chose. Pas grand-chose depuis que Centurion et compagnie ont été move en 6.7. On va voir ça. Je vais essayer d'aller vers le middle de la map. Dans les hauteurs, là, au niveau du point B en domination. On va voir ce que ça... On va voir ce que ça peut donner. On prend le temps. Il y a du monde là-bas. Oh fuck. Très mauvais tir ça. Oh il m'a pas vu. Voilà. Mieux. Ah non, je pensais qu'il était beaucoup plus de flanc. Je le voyais pas avec la tente. Pardon? Excuse me? Voilà. Attends, par contre, que tu puisses encore tirer après le shoot que je t'ai mis dans la tourelle, mon frérot, ça me fait un peu mal. Voilà. Oh, non, il a eu le temps de... Ah non, c'est un terrain de 6 sur 1.
Il y a eu un T26-E1 qui s'est pointé juste de l'autre côté du rocher. Dommage. Dommage, 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 dommage. On a un avion ennemi. Je suis en armored target, ça va être compliqué de l'abattre. Après, je sais pas ce que c'est. Ça m'a l'air assez lent. Ça n'a pas l'air de vouloir m'engager. On va peut-être pouvoir faire mumuse avec. Oh, ça ressemble à un. Je peux pas encore le dire. Ce serait pas un IL-2 ou quelque chose comme ceci. Je fasse gaffe hein, quand même, parce que l'IL-2, bonne puissance de feu. Ça me défonce en turn fight. Qu'est-ce que je disais? Attention à l'IL-2. Là, il va décrocher. Flaps. Hop. Oh, ça va être tendu comme fenêtre de tir. Nice. Bon critique. Je rappelle que je suis avec des munitions armored target, donc pour shooter un avion, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Wake up le shoot, voilà. Parfait. Parfait, me direz-vous. Alors. Fasse gaffe qu'il n'y ait pas d'autres avions qui se pointent. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Alors, où est-ce qu'on a du méchant? On en a un là-bas. On en a un ici. On va aller sur celui-là, hein. Il m'a l'air plus dangereux. Et il y a potentiellement moyen que ce soit celui qui m'ait tué, donc Revenge Thunder oblige. Voilà. Oh 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 oh, shit, ça passe. Attention parce que lui du coup en l'ayant tué, il va vouloir venir aussi se venger. Ah ces 30 mm, hein, ils sont vraiment redoutables. Hein. Et je pense que redoutable n'est pas vraiment un critique. Ah, il m'a tapé, il y a un ZSU-37, j'ai peur. Voilà, de se mettre à couvert de l'anti-air. On va prendre le temps, il y a deux avions ennemis qui arrivent, c'est compliqué, je suis tout seul. Allez, 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 allez. Ouais, ok. Bon, deux avions abattus, un char, c'est plutôt pas mal. Ce soit ce P-47 ou un autre, j'étais dans l'oukaka de toute façon. Bon. La game, par contre, de l'autre côté, a l'air bien mal barrée. Je vois toute ma team qui est bloquée dans le spawn. J'ai un allié qui est à peine sorti. C'est terrible. C'est pas terrible ce qui est en train de se passer, non? P51H, voilà, Raniji, comme je l'avais dit, il revient en avion. Ah, la tourelle qui est trop lente pour le suivre. Et on n'a pas d'entière. Et ça, on s'en fout. Ah, ça, par contre, ça, oh, ça par contre, mec, t'es. T'es vraiment petit. T'es vraiment petit. Rikiki, nul. Allez, on se retrouve sur Normandie. C'est bien, je fais pas mal de bonnes maps là. Sinaï, Normandie. Ah, j'ai un peu le seum là quand même. Le KV-85 là, je faisais pas attention. Je m'occupais plus de l'avion qu'autre chose. Le KV-85 dégueulasse qui vient spawn kill alors que sa team cap même pas capturé le point. Enfin, Berk. Berk, 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 Berk. Je suis. Comment dire? Plutôt.
déçu. Après, la game était quand même bien mal embarquée hein, sur Sinaï. Hein. Quand j'ai respawn avec le deuxième tigre là, que j'ai vu que. Qu'ils étaient à peine sortis du spawn, j'étais là. Bon. C'est bien beau tout ça, mais. C'est quand même mal barré. Hop, ça dégage. Hop, ouais, pour ceux qui ne connaissaient pas ce spot, hein, voilà, ça c'est fait. Par contre, tu m'embêtes, le Panzer 4, à faire n'importe quoi et à venir te réparer dans mes pattes. Tiens. Engine en feu. Un peu s'il te plaît garçon. Re en feu. Horizontal tourelle drive. Meurs. Merci. Attends, tu me dis qu'il y a quelqu'un là-bas? Ça ne me plaît guère, ça. Bon. On va tenir ce point B, hein. Oh, punaise. C'est une blague. Ah ouais, on a personne qui couvre ce side de la map. C'est pas terrible tout ça. Aïe. Et où est-ce que tu crois aller, mon grand? Ennemi qui l'assiste. Ah, il take it. Attention, le KV1 là-bas. Allez, je vois rien. Voilà. Il y en a un qui est passé à gauche. Voilà. Next, please. On est en train de reprendre le point B. Encore un là-bas qui veut venir jouer. Allez, avance ma belle, avance, 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 avance. Viens voir papa. Et moi. Et bisous. Cette position est tellement, tellement importante. Vraiment, hein. Cette position est beaucoup trop forte sur le jeu, sur Normandie. C'est un véritable plaisir. Hop, je vais avancer pour aller prendre B.
Attention, il reste 4 ennemis. Hop, vous pouvez prendre B en étant à couvert de l'église ici. Très bonne position. Hop. 8 kills, une assist. Plutôt pas mal. Alors attention, s'il y a un mec qui est en train de nous contourner là. J'aime pas trop ça. La SU-57 s'est fait fumer, c'est bon. Transmission radiateur. Gunner loader. Shite. Il va pas mourir ce ptio. Et une deuxième assist. Une deuxième assist. Il reste plus que 3 mecs qui vont être bloqués à leur spawn. GG. GG. Bon bah après cette, ces deux premières games, on va dire d'échauffe avec le tigre, voilà, on a réussi à produire quelque chose de potable sur une partie que j'appelle une partie Call of Duty vu le peu de nombre de joueurs que nous avons dans chaque équipe. Mais voilà, c'était plutôt pas mal. On a bien protégé le centre-ville, bien protégé et pris le point B. Tout ce qu'on veut. Hop, on est vraiment en train de pêcher leur spawn. C'est vraiment la fin de la game. Le KV1 qui est dans la mouise. Qui a l'air d'avoir besoin d'un petit coup de pouce. Tu pouvais me dire où est ton assaillant, mon ami? Je pense savoir, merci. Pardon. Bien joué. Très bien. J'admets. J'ai été greedy. J'ai été greedy. Bon, j'ai respawn, mais je pense que... Ah, attendez, parce que lui, il est pas mort une fois. Je sais pas où il se situe. De toute façon, la game, les tickets sont en train de s'écrouler. C'est fini. C'est fini, voilà, bah, c'était une petite vidéo en tigre. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire quel véhicule vous aimeriez me voir jouer pour la prochaine vidéo. Quoique, la prochaine vidéo, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. La prochaine vidéo, je pense que ce sera quelque chose que moi j'aurais décidé de faire. Et ça va vous plaire, je pense. Ça va faire beaucoup plaisir aux anciens. Ça va faire plaisir aux anciens, ça c'est une certitude. Et ça peut faire plaisir aussi aux nouveaux. Donc la prochaine vidéo, c'est pour moi. Mais voilà, n'hésitez quand même pas à me... 1, 2, 3, 12, 8. N'hésitez surtout pas à me proposer dans les commentaires, encore une fois, des véhicules pour la vidéo d'après. Évidemment, je prendrai le véhicule le plus demandé. En tout cas, c'est ce qui va conclure notre vidéo en Tigre H1, la légende El Tigro. Très bon char, excellent char, j'adore le tigre. J'adore le tigre, mais voilà, il est très peu permissif et demande de le jouer extrêmement bien si vous voulez pas vous faire défoncer comme je me suis fait défoncer sur les deux premières games. Bon, on va dire la game sur Sinai, la deuxième mort sur le spawn kill, bon. C'est triste, mais c'est le jeu. C'est triste, mais c'est le jeu, c'est des choses qui arrivent. On peut pas y faire grand-chose, malheureusement. Il m'arrive moi-même de spawn kill, ce n'est pas grave. Il faut juste pas en abuser. Il faut juste pas en abuser. Sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu dans la vidéo, ce qui vous a déplu. Que je sache quoi améliorer pour la prochaine vidéo. De me dire le véhicule que vous aimeriez me voir traiter en vidéo. Et surtout, n'hésitez surtout pas à venir sur la chaîne Twitch. On live tous les jours. Et sincèrement, venez, parce que c'est une approche totalement différente de YouTube. C'est une relation totalement différente
qu'on peut avoir entre des viewers YouTube et des viewers Twitch, parce qu'avec des viewers Twitch, l'interaction est immédiate. On discute, on est là, on rigole, on se charrie, on joue beaucoup, on rigole avec le chat. Enfin voilà, c'est une approche totalement différente du contenu et je suis en live quasiment tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch dans la description évidemment. Comme je le redis, c'est une approche totalement différente de ce que vous pouvez trouver sur YouTube. C'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus amical. C'est plus je sais pas. YouTube, je le compare plus à, voilà, je produis quelque chose, vous regardez, vous consommez. Alors que Twitch, voilà, c'est plus une ambiance familiale, voilà, c'est plus une réunion de famille. Vous voyez ce que je veux dire au niveau des deux approches. YouTube, ça me fait plus commercial, tandis que Twitch, ouais, c'est plus amical, familial. On s'amuse, on s'amuse. Donc n'hésitez pas. Surtout que aux 2000 follow sur Twitch, je ferai un giveaway de deux packs au choix. Pour Twitch, attention, ce sera uniquement pour Twitch. Le giveaway se fera sur Twitch et pas sur YouTube. Donc voilà, ce sera pour fêter les 2000 follow sur Twitch. Et on a passé les 1800 hier, c'est trop bien. Je suis très content. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable bonne fin de journée, de soirée, de matinée, de je ne sais quoi. Buvez de l'eau, beaucoup d'eau, il fait chaud. Hydratez-vous. Et moi, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Nexos.